Express. Orient Express, Haras des Coudrettes, continue son tour de France des salons, des étalons. On en a parlé devant tout le public bordelais l'autre jour où il s'était présenté en pleine forme, notre vice-champion du monde de Caen 2014, le fils de Quickstar, le petit-fils de l'Auto de Semis, et donc les couleurs HDC qui vous le présentent. Orient Express, Orient Express, a self français original, he's 16-year-old. And 4 years ago, he was silver medalist when the World Equestrian Games were held here in Normandy at Caen, both as an individual and as part of the team. This stallion transmits strength and substance, as well as his style and great mentality. Et c'est bien sûr Patrice Delaveau, qui de mieux que Patrice pour nous parler d'Orient Express HDC. Patrice, c'était un cheval de cœur, on le sait. Avant de parler de lui en tant qu'étalon, de reproducteur, parce qu'on voit maintenant ses produits arriver, d'abord, ses grandes qualités, ses points forts, même si on en a beaucoup parlé, on va le redire. Bah, tout d'abord, c'était un cheval de concours extraordinaire. Hein, ça, il fait partie de ses chevaux qui ont gagné, il a gagné 7 grands prix 5 étoiles. Que ce soit CSIO, Coupe du Monde, donc en plus c'est un cheval qui allait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il était très complet. Tout le monde l'a vu, ça sert à rien de faire des commentaires sur Orient, tout le monde le connaît. C'est un cheval qui a été un des rares chevaux à avoir été très très bon à 4 ans et avoir pu gagner jusqu'au championnat du monde. Donc que ce soit il a fait une carrière en étant très très jeune, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, en étant toujours dans les meilleurs de sa génération. Et c'est un cheval qu'on a retrouvé jusqu'à Caen sur les championnats du monde, que ce soit par équipe ou individuel. C'est un cheval qui était capable de gagner le premier jour, gagner le deuxième jour, être double centre dans la Coupe des Nations, et encore le cinquième jour, encore présent dans le Grand Prix. C'est un cheval qui il a toujours une énergie incroyable. Il a toujours su s'économiser à la maison, c'était pas un grand travailleur sur le plat, c'était un cheval très calme à la maison. Par contre, dès qu'il rentrait en piste, c'était un lion, il en faisait même des fois un peu trop. Donc j'espère qu'il pourra retransmettre ça à ses poulains. Cette envie, sur les premiers produits que vous avez, parce qu'on sait qu'ils existent, hein, ces premiers produits, on les voit, on les a vus, même si le sport a été privilégié, est-ce que vous la retrouvez, cette envie, chez ces jeunes produits? Oui, l'envie et surtout le tempérament. Ce sont des chevaux qui sont vraiment très gentils à s'occuper, que ce soit au concours ou à la maison, des chevaux très bien dans leur tête, des chevaux très calmes. Et en plus de très très bons chevaux de concours, on voit André Chenu qui a Aldo Duplessis qui a gagné à 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui est encore présent à 7 ans. Donc, en espérant qu'il fasse beaucoup de chevaux comme ça, et voilà. On lui souhaite évidemment une belle carrière de reproducteur. Alors, pour les informations, on va sur le stand du Haras des Coudrettes pour les conditions d'utilisation, j'imagine. Oui, il faut venir sur le stand. Parce que là, vous ne m'avez pas apporté votre petit papier, Patrice, vous avez un. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que, en revanche, il y a des juments que vous mettriez plus que d'autres, vous? Alors, oui, je pense qu'il faut lui apporter quand même des juments pas trop trop grandes, avec du sang, je pense. Voilà. J'y connais rien en élevage, mais voilà, ça c'est mon sentiment. Ouais, mais c'est important d'avoir le sentiment du cavalier quand même. Merci beaucoup, Patrice. Rendez-vous donc sur le stand du Haras des Coudrettes et bye bye Orient Express, à très bientôt. J'y connais rien en élevage, mais bon. Super. J'entendais Patrice parler de la fameuse souche de Bourret, parce qu'en plus de ça, le Haras des Coudrettes a fait confiance à cette souche et a produit notamment le super B-Express Haras des Coudrettes, issu de Orient Express HDC, de Overspeed Duplessis, qui fait partie du catalogue HDC.